Dieu bénisse. Amen. Amen. Et franchement, vous dites, on pose une question. Qui fait le même ballon pour tout le monde? Mais tout à l'heure, Amen, Amen, Amen. Nous passons directement à la parole de Dieu. Demain, tu fais son prix. C'est gentil. Thank you. Merci. C'est gentil. Amen. Et la semaine que nous t'y fais l'enseignement, nous t'y parle un petit peu sur la vie conjugale, foyer, et comment nous gérer foyer, comment nous marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Et nous pour entamer une deuxième portion, et puis nous vraiment encore qui nous entame aussi une troisième portion, selon ce que le Saint-Esprit, pas nous qui décidons, qui nous venons pour faire. Amen. Mais aujourd'hui, nous vous passons directement à la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 7, le verset 7. Genèse 7, 7. Amen. Thank you, Holy Spirit of God. Nous pouvons faire la lecture, rendre grâce à Dieu qui est quelqu'un à côté de toi, Djali, pour bien content tout le temps dans la présence de Dieu. Glory be unto the name of Jesus. Thank you, Father. Amen. Pour faire la lecture. Genèse 7, 7. Frère, mais c'est l'histoire de Noé. Ok. C'est une bonne histoire de Noé. Thank you, Holy Spirit of God. I pray. Donc, Ali, pour faire la lecture. Genèse 7, 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol. Dans cette version, c'est meux. Dans mon version de la Bible, ce qui rampe sur le sol. Je me souviens parce que nous parlons un petit peu de là. Il entra dans l'arche auprès de Noé, les couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge viennent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, ces jours-là, toutes les sources des grands abîmes jaillirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Le Dieu, Dieu, merci pour ce parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ta bonté, Papa, pour mieux que la vie. Je te loue de saint nom, Papa, pour exalter toi. Je te dis merci pour tout ce qui te fait, Père. In the name of Jesus Christ, Lord God, I pray. Seigneur Dieu, pour prendre l'autorité dans le monde spirituel, pour mon esprit de douleur, de la distraction, ma puissance satanique, je vais vous faire l'attaque. Vous niez, moi, tassez, vous brisez, vous cachez tout mon barrière. Et vous priez, toi, Seigneur Dieu, Papa, vous mettez un mur de feu autour de cette église. Et vous priez pour chacun d'entre nous qui est capable de la bonne semence sur la bonne terre, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Amen. 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 Un petit côté de l'élaboration, le côté nous y aller. Nous tous nous connaissons l'histoire de Noé. Amen. Et l'histoire de Noé, nous tous nous connaissons que tiennent l'arche. On va pour trop attendre là, mais vous passez un petit peu en revue. Vous êtes tout capable de comprendre tiennent l'arche. Et l'arche, que là, qui amène tous les animaux de la terre. Et qui nous ont dit, nous pouvons couper tous les animaux de la terre. Ils ont dit, c'est à travers de la marche que Noé fait faire à travers de ce justice et de ce droiture qu'il est finalement aussi avec Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous devons comprendre quelque chose. Moi, pour faire, on appelle ça une connexion, un parallèle. Nous devons dire parallèle. Et le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, il dit à nous comme cela, tout quelque chose qui était dans le passé pourrait venir encore. Amen. Et vous êtes l'information, la maman de Moïse, nous t'y donne l'histoire de Noé, et quand tu rends sa petite panier qui tu mets Moïse là dans là, il te fait exactement comme l'ange. Et tu sais, lui, même quelque chose, pour booster ça, pour qu'il ne s'en ait pas coulé, et Moïse finit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Ce qui motive le partage avec vous aujourd'hui, comprends-moi bien, nous avons un point spécifique qui nous voit aller, mais c'est moi, nous pour brosser un tableau, et nous avons beaucoup de petites choses que Dieu a pour cause avec ma couple aujourd'hui. Amen. La première chose qui me peut dire, c'est pas oublier le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit à nous comme cela, dans la parole de Dieu, comme le temps, quand l'avènement du Seigneur n'est pour venir, les pour pareil comme le temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient. Vous connaissez ça? Amen. Hey, vous êtes la même. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient. Vous êtes même mariés. Jusqu'à qui arrivait. Arrive un moment que tu faisais avant dans l'ange, la porte fermée. Bam, tout fini. Et pour moi, c'était un parallèle. Suivez-moi bien, je pourrai le comprendre. Le parallèle, c'est quoi? Pour moi, l'ange, c'est le parallèle de Jésus-Christ féminin.
Et qu'est-ce qui se passe dans une place que seul pour nous la terre, une tribulation, et dans sa tribulation là, pour nous, man qui ken, qui pas obéir ou soit pour désobéir et à Dieu et je pas fin obéir à la voix du Seigneur. Amen. Lorsque cette période là qui peut arriver, Dieu pour enlève sur l'église. Ok, on va pas continuer. Amen. Maintenant, parallèle qui me pour faire, suive-moi doucement dans l'église. Ok, mais rappelle-je que tu es dans les animaux qui te viendront dans l'orge. Et moi, pour rentrer au creux du message, je suis capable de comprendre. Et ça, les animaux qui te rentrent dans l'orge, tu es dans le lion, tu es dans tous les animaux, qui ont fini de faire tellement, tellement bien, ce n'est pas Noé qui appelle ça. C'est Dieu lui-même qui finit de nous appeler un calling. Et ça, les animaux-là, pour eux-mêmes, ils viennent vers Noé. Maintenant, moi, j'ai envie, entre guillemets, on passe un petit peu sur l'orge, comment il était, pour cette information, ce n'est pas la base du message. L'orge était environ 125 mètres de longueur. Il était environ 25 mètres de largeur et environ 15 mètres de hauteur. Okay? Dans la Bible, vous trouvez une écrénie en coudée. Une coudée, c'est environ la moitié d'un mètre. Environ. Il y a des mesures qui m'en ont été faire. Mais plus près, il était capable d'être un petit peu plus grand, mais pas plus petit que ça. Okay? Ça, c'est pour cette information. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui, à tort de moi, pour expliquer une petite chose. Il y a plusieurs animaux qui sont dirigés. Et ça, les animaux-là, tu diriges pour venir vers l'orge. Je prends l'exemple des oiseaux. Je prends l'exemple même éléphants, même chameaux, même girafes. Mais aujourd'hui, je pour attendre moi et nous pour rester là aujourd'hui. Nous pour prendre l'exemple des animaux. Et ces animaux-là, ils vous donnent beaucoup de paramètres pour nous comprendre nous la vie spirituelle pour l'humanité. Amen. Et la chose qui me tient envie de partager avec vous ce matin, c'est nous pour prendre les leçons de la plus animaux qui plus lent qui capable d'exister dans la terre. Amen. Et les animaux qui plus lent qui capable d'exister dans la terre, c'est Koopa. Ok. Et maintenant, dire ma Koopa, pourquoi les Koopa ne Koopa? Ok. Mais nous pour Agatli, amen. Mon présent d'un camarade là-bas, mon papa dit qui fils aujourd'hui. Il y a un petit peu moderne, mais c'est moi qui me pensais qu'il y a un petit peu moderne. Amen. Gloire à Dieu. Un petit camarade me fait quelques connaissances. Amen. Il est moderne, hein, parce qu'il vient qui fait tout ce matin. Mon reste sur la frère qui n'a pas avec Cook. Ok. Nous pourrons rester là un petit moment pour expliquer un petit quelque chose. Amen. Et dans trois points principaux qui nous pourront étudier de ces animaux-là. Et ces animaux-là pouvaient nous penser. C'est-à-dire, ils pouvaient nous penser. La première chose de la capacité de cet animal, nous tous nous connaissons quand la pluie prêt pour tomber, nous guette moi, moi dis autre fois, mon apprenti, quand vous pouvez descendre dans l'escalier, vous guettez, vous trouvez coupable, l'eau miraille, moi dis la pluie prêt pour tomber. Pourquoi qu'on n'est pas une fille ça? La science même prouvait que cet animal est sensible à la pression atmosphérique. Quand la pression atmosphérique commence à baisser, surtout pour qu'on commence à monter le pied, papa, il commence. Parce qu'ils ont connu la pluie pour tomber. Nous tous sommes sensibles. Je vais mettre une base et je vais parler là-bas un petit moment. Je vais parler avec ma coupe un petit moment. Donne-moi un petit moment pour que je m'explique ça. Amen. Et la base de ces animaux-là, ils sont sensibles. Et mon vie aujourd'hui explique ça. Donne-moi bien. Tiens, là environ, il est écrit dans cette Bible, suis bien. Dieu nous dit pendant dans 7 jours, la pluie pour tomber. Première chose, si moi, je vais prendre un escargot, qui m'appelle dans la version française, pour sortir une longue distance pour venir, il est parti pour rentrer dans l'orge. Et donne-moi bien, l'escargot fin récit rentre dans l'orge. Père, mais comment aussi, hein, parce qu'il est encore là. Oui. S'il est parti récit monte sur l'orge, il est parti pour là. Vous comprenez moi? Un animal qui mange doucement. Mais c'est moi, donne-moi bien, il peut être quelque chose qui peut élaborer aux autres dans ton enfant, mon Dieu. Quelqu'un qui peut rentre sur l'orge, c'est un quelqu'un qui peut plus près avec l'orge. Moi, on est pas obligé de gagner, moi, tout le monde. Parce que pour moi, si tu es loin, tu prends beaucoup de temps. Mais tu es plus près. Tout quelqu'un qui l'a, si tu as envie, rentre sur l'orge, tu veux dire, coste-toi avec mon Dieu. Vous n'êtes pas de loin avec Dieu. Pas oublier les paraboles des cinq vierges qui sont folles et cinq qui sont sages. Je finis racte la venue de l'époux, de Christ, qui m'a capable de dire, juste à cause de pas tu prépares eux. Mais il y a quelque chose qui nous appelle sensible, bien sensible. Et mon avis partage à tous les membres de l'église, il n'est pas donné à tout le monde pour être sensible dans le monde spirituel. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, il dit à nous comme cela. Nouvelle la vie, le livre de Matthieu. Thank you, Holy Spirit of God.
Je te dis sans silence. Mon père, je te dis ensemble avec nous. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 3. Je peux comprendre. Mon père n'a une place. Suis-moi. Amen. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Matthieu chapitre 16, le verset 3. Qu'est-ce que tu vas m'arrêter licencié? Amen. 16, 2. Je n'ai dit, nous ne pouvons pas aller? Amen. Amen. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau quand le ciel est rouge. Et le matin, il aura d'orage aujourd'hui quand le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Suis-moi. Le thème de mon message aujourd'hui est « Lesson from a snake ». La leçon d'un escargot. La leçon, mon cardinal, on peut dire, pourquoi les coupas. Ok? Qui nous peut redire, ces animaux-là, ils sont sensibles à quelque chose qui peut arriver dans ce environnement. Arrive un certain moment, nous chrétiens, pardonne-moi, mais pour être franc, mais c'est moi de croire qu'il a franchi pour libérer nous. Nous condamnons les mondes pour croire que Jésus-Christ pourrait tourner comme un fini, mon vie, mon ami, mon fait tam-tam, mon fait tout ce qui m'envie. Dernière, mon repenti, mon mot, écoute-moi, personne ne connaît quand Jésus-Christ pourrait. Il est important pour où à ce là vous préparez vous-même. Parce que, comme je vais dire comme ça, Jésus, il a fini de venir à ce là. Moi, je crois comme ça. Il est important pour nous vivre nous, la vie. Regarde ces animaux-là, moi, extra content. Du moment où il gagne ce signal, il finit commence à descendre, il peut finir marcher, il peut finir diriger vers l'os. Parce que pourquoi il est réceptif? Il est réceptif à sa calling de God-là. Quand Dieu vient dire, lui, ok, Dieu vient dire, vous êtes venu, il descend, il commence à marcher pour y aller. Maintenant, il est important pour chacun d'entre nous, il arrive là pour commencer à préparer nous-mêmes. Et celui qui peut rentrer plus près, celui qui est plus près de l'arche, il peut avoir la capacité pour rentrer dans l'arche. Je vais mettre une base pour moi, pour devant. Vous avez l'âme, vous avez suivi-moi. Dis-moi, vous êtes sensible. Maintenant, regarde tout le monde signe que je trouve de ça. Beaucoup de monde dit comme ça, longtemps, partir là, ça m'a un problème là. Maintenant, regarde, nous sommes capables d'avoir un progrès de la médecine, mais c'est moi, on a dit, mot, point oui, point non. Le progrès du suicide, fin dépassé. Tout qui chose peut enclencher, la guerre peut gagner plus. Et la man signe qui peut donner dans le ciel. Mais cela peut dire que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Mais il y a pourtant que chacun d'entre nous, nous lève sa petite antenne là, et nous recevoir ça. Signal qui veut dire Jésus-Christ peut vous retourner. Dieu y a pour temps. Maintenant, quand il y a pour temps, dans ce dernier temps-là, il est extrêmement plus important pour me préparer moi, pour me venir vers Christ. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, je commence à venir un petit peu le monde couple, tous les jours de la vie, il y a pour temps pour que je commence à vivre en paix, équipé dans la friction, équipé dans l'ennui, et que je suis capable de préparer moi-même. Amen. Quand j'étais au travail, je visais une relation avec mon dimanche de travail, avec la paix. Quand je peux marcher, je peux aller le chemin avec le voisin, je visais garder la paix. Parce qu'il est clair, il y a pourtant reste propre. Il ne faudrait pas se créer sans friction. Il ne faudrait pas mourir sans friction. Amen. Nous visions sensibles. Maintenant, qui faire pour arriver mon cause et tout mon couple aujourd'hui? Il y a pourtant que tout mon couple, je commence à régler ce problème. Parce que l'amertume dans un couple, il est bien souvent capable d'arriver. Nous t'y causons ça la dernière fois, nous commençons à connecter maintenant. Nous t'y causons ça la dernière fois, nous t'y disons que, et non, des fois, il y a une discussion, il y a ici, il y a là-bas, mais et non, des fois, si elle vient dans notre avantage. Nous te rappelons, nous t'y expliquons ça? Oui. Il y a pourtant qu'ils commencent à régler ça parce que, et non, des fois, si tous les deux pareils, ils causent un problème. Nous sommes opposés, the opposite. Ok, quand nous sommes opposés, il est bon qu'il nous capable de régler mon problème et il est bon aussi qu'il maintenant, à partir d'aujourd'hui, que tous les membres de l'Église ici et s'occupent de nous, il est important qu'ils vivent en paix. Parce que pourquoi? C'est une friction d'un foyer, Jésus-Christ retourné, il est capable d'un problème. Pas oublier qui Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Tous les deux, pour l'ONCL, seul, Lili, un pour aller, un pour rester. Et la parole de Dieu livre ça. Vous êtes capable de continuer. Vous avez peut-être base pour la semaine dernière. Vous continuez. Maintenant, il y a pourtant qui nous sensible et commence maintenant à laisser l'équerre. Beaucoup de monde ne sont pas sensibles à la voix du Saint-Esprit.
Nous ne pouvons pas penser nous aller voisins. Fait que nous, et la voix qui vient de nous, pardonne-lui, laisse-lui. Qui nous fait à nous? Nous gardons nos égaux. Et Dieu m'a pardonné, l'idée de vous devant mon labo. Et chrétiens, je connais comment il cause. Si vous allez, il m'a 4 pas, mais je m'en ai devant mon labo. Il n'est pas correct. Parce que Jésus-Christ finit dire dans sa parole, tu as besoin de contenter l'ennemi, de faire du bien. Amen. Ça, c'est la base de la chrétienté. Amen. Vous êtes capable de continuer? La première chose, nous étudions sensible. Sensible. La deuxième chose, c'était une petite chose qui est vraiment frustrante. Comprends-moi que de mon père d'aller. Pour un animal qui mange doucement, il connaît la fin du monde qui arrivait, mais seulement lui-même, quand il peut guetter, il trouve tous les animaux qui doublent, il peut aller. Je ne connais qui mon père dire ce truc-là. Il peut manger doucement, en bas, en dit, moi, j'ai dire, dire, doucement, doucement. Okay, en créole, il peut manger doucement, doucement. Okay, en français, on appelle ça lentement. En anglais, on appelle ça slow. Ok, moi, je trouve un autre terme. Allez, ok. Maintenant, quand il peut marcher doucement dans son parcours, il y a quelque chose qu'ils ont besoin de comprendre. Il y a plusieurs animaux qui peuvent doubler lui. Vous connaissez quand un éléphant fait un pas. Lui prend lui capable, c'était un temps pour faire juste un pas d'un éléphant. Mais c'est moi une petite chose qui m'ont vu porter avec eux. C'est un animal qui, deuxième point, lui hyper persévérant. Je connais combien frustrant ni frustrant quand un chrétien trouve tout du monde une double ou là où la vie ou bien. Ah frère, qui n'arrive où là? Ok, on parle de la corruption. Un chrétien ou pas capable de corrompu, maintenant peut donner braille pour une promotion ou pas capable de faire ça, vous avez la même. Tout du monde peut doubler là où la vie bien. Mais c'est maintenant quelque chose qui, quand on peut marcher dans la droiture de Dieu, la main bon Dieu dans la main. Amen, 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 amen. Pas oublier ça. Amen. Je trouve beaucoup de personnes, ils résignent tout quelque chose dans la vie, je ne passe à côté de ce salut. Plutôt nous ayons le salut et nous gagnons tout quelque chose. Nous gagnons la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus-Christ vient dire, partage-nous avec nous et la terre. Là que ton trésor était l'un de l'éclair. Était. Mais le trésor, Jésus-Christ vient dire là-haut. Travaille pour quelque chose qui est là-haut. Amen. Les persévérants. Maintenant, dans cette persévérance, malgré les circonstances difficiles, il y a deux chapitres qui nous vont guetter. Le premier chapitre, c'est le livre de Jacques. Amen. Et nous lisons, le livre de Jacques et aussi le livre de Matthieu. Non, le livre de Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Nous allons lire ensemble avec moi. Matthieu 24, verset 13. Soulignez ça, mon mot là. Amen. Matthieu 24, verset 13. Vous avez dit? Mais celui qui persévéra jusqu'à là. Non, jusqu'à aujourd'hui. Celui qui persévéra jusqu'à 2021. Celui qui vous persévère jusqu'à là, c'est qui te, celui qui vous persévère jusqu'à là, la dernière souffle de vie là. Amen, amen, ça qui est là qui peut être sauvé. Amen. Le livre de Jacques. Jacques 1, verset 12. Frère, c'est que vous pouvez dire là, là. Sans animaux là, c'est pas public ça. À cause de ça, même si souligner des animaux grands pas. Amen. 1, 12. Thank you, Holy Spirit of God. Voyez. Heureux l'homme qui endure la tentation quand après avoir mis à l'épreuve de recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui passe dans ma tribulation. Amen. Bon, cause avec vous, beaucoup de monde dit comme ça, frère, vous commencez. Encadrer le message par rapport à ma vie, de ma couple et de mon foyer. Amen. Beaucoup de fois, il n'est pas facile. Ok? Et il y a une petite chose qui m'a pour élaborer et le message que le Seigneur me dépose dans lequel il est plus spécifique avant qu'il nous parle tous le gros sujet du mariage, le remariage, la prochaine fois. Mais Dieu, c'est sur l'église, à l'île, il connaît qui vous fait. Amen. Mais Dieu a un message bien spécifique pour tout le monde qui est aujourd'hui dans mon foyer qui est dans mon problème, mon foyer qui est dans ma friction,
Et le deuxième important qui Dieu a envie de causer tout mon monsieur et mon madame, qui soit monsieur, soit madame pas converti. C'est difficile. C'est hyper difficile si vous monsieur ou madame pas converti et vous permettez une amorce avec mon Dieu. Amen. C'est qui premier quelque chose que Dieu a envie de partager avec vous, persévérer. Amen. Pas l'orgueil. Malgré les circonstances, les situations, il est important que vous persévérez. Et maintenant, je peux expliquer quelque chose qui ça pour faire beaucoup du bien. Ces animaux-là, tenez-moi bien, ils descendent depuis le pied ou n'importe quelle colline, ils peuvent passer puis aller à l'arche. Lorsque le parcours est tout seul, mais le parcours-là, tenez-moi bien, la Bible vient dire, un escargot, pas pour capable de tout seul parce qu'il peut y avoir un quelqu'un qui peut vous amener avec lui parce que Dieu fait, il dit que il y a un père qui rentre dans l'arche. Maintenant, quand il peut marcher tout seul, capable de prendre une joie de ça qui est là. Mais maintenant, le saut parcours, quand il peut marcher doucement, il peut faire des efforts, il peut trouver type peut galoper, il peut trouver lion, il peut trouver cerf, il peut trouver oiseau, puis envoler, puis rentrer dans l'arche. Il dirait, doucement, il peut aller. Il commence à sentir, il est fatigué. Le saut parcours, il commence à sentir, il est fatigué, il commence à garder sa persévérance. Il vient se diriger de l'autre côté, il commence à trouver un joie, il est 35 peut manger. Qui s'amène destine ça? C'est Dieu. You're getting me? Je vais connaître le pial. Ok. Un seul petit 35 qui commence à côté côté, si il y a un petit fille, il dit moi, je ferme aussi bien, là-bas, je vais trouver un seul petit garçon qui commence à dire Pas connaître qui s'amène gagne sa colle là. Mais c'est moi quand il peut marcher, il peut aller. C'est qu'il y a la tête là-dedans, ce léger qui focus sur l'orge. Amen. Si toi, te pérode, amène ton monsieur, soit ton madame vers le Seigneur, si tu détournes-toi de ton regard vers l'ange, bye bye. Et c'est ça la source. Qui qu'en a fini parce qu'il se regarde sur l'ange. Amen. Coup, parce qu'il peut amener un kitchen, il peut amener un commitment. Il peut dire, il peut fulfill, moi, ça en anglais, pas rien de la casse, c'est qu'il peut pas comprendre en anglais, mon créole là. Nous appelons ça un fulfillment of the commitment of God. Du moment où il prend sa fulfillment, il marche dans la volonté de Dieu, Dieu vient amener cela à moitié par lui-même. Combien d'efforts pour faire, ça ne va pas marcher. Et mon cause avec ma kikane, tente-moi bien, qui je te miche, soit je te madame, pas contre le Seigneur, mon porte ça avec eux. Beaucoup d'entre eux, je ne fais que Michel, soit que madame, vient un idole dans la vie. Et c'est la raison pourquoi nous n'y sommes pas encore arrivés. Pas de notre avis. Pourquoi? Parce que notre regard saisit pour saisir pleinement. Du moment que tu as ton regard sur l'arche, te détourne pas parce qu'il ne peut pas faire volonté, mon Dieu. Je connais un frère, pardonne-moi, je connais un frère qui est madame. Idolâtrie ce Michel. Je vais comprendre, je vais vous donner quelques exemples. Si Michel a dit, moi, tu connais, tiens, moi, je suis dans mon périphérique. Si Michel a dit, comme ça, c'est de l'école, il choisit. Ça, on appelle ça une binette idole. Maintenant, n'en est pas pour arriver dans la vie. Grosse maison, madame l'a posé. Il y a des seuls par la fenêtre, je vous souhaite. Parce que pourquoi, il y a quelque chose qui n'est arrivé. Tu n'as pas pour achieve n'en est dans la vie. Donc, tu détournes ton regard sur l'arche. Du moment que tu commences marche vers l'arche, automatiquement, deuxième la poursuit. Je peux suivre moi que pour me regarder. Amen. Amen. Je vais réfléchir. Mais maintenant, moi, tu as envie aujourd'hui de dire quelque chose. Le partenaire que Dieu vient de nous dans la vie, mon cause en général, c'est un quelqu'un qui supposément accompagne toi pour te faire ton parcours pour rentrer dans l'arche. Et il est important pour chacun d'entre eux dans une placasse, mon cause en foyer général, qu'ils aient besoin d'un support chacun d'entre eux. Mon cause premièrement pour mon kiken qui est marié. Chacun d'entre eux a besoin d'épaule, je te miche, soit je te madame, pour venir plus devant. Amen. Mon capable en courant dans les affaires, je dis just download it from heaven. Il est important pour prendre ou madame ensemble avec vous, soit ou miche ensemble avec vous, si je te convertis pour une église ensemble. Parce que c'est le parcours que Dieu a fait pour toi. Comment se fait-il? Pardonne-moi. C'est la responsabilité de ce que je peux dire parce que God is telling me to
Tu sais, I'm going to say. C'est pas possible que tu rentres dans le bistro qui te demande pas d'aller les besoins de bistro. Il n'est pas convenable d'après les principes de la parole de Dieu. À moi, je parle d'un an, bizarre à faire des affaires. Mais c'est moi, c'est qui m'a dit que tous les deux, bizarre, au même parcours, même longueur d'onde. Et pour moi, personnellement, quand il peut descendre, le samiraï là, il peut aller, il peut amener un lot qui est dans la vie, parce que Dieu fait une destinée qui s'adélabise à l'ensemble de sa simère. Et je vous dis, il est important. Première question, vous causez tout mon foyer. Il est important pour régler tout mon différence. Pas gagner le temps, sourire l'esprit, je parle de moi. Pas le temps pour le battre, là. Il arrive là pour me tirer. Restaure sa foyer là, remettre tout qui se parce que donne-moi bien. Regarde Jésus-Christ qui finit dans sa parole. Il dit à toi, pas à dormir avec ta colère. Mais la plupart des fois, quand tu restes. Quand Jésus-Christ peut comprendre, comprendre le flot que Jésus-Christ peut retirer. La plupart des fois, tu n'as pas à dormir avec ta colère. Beaucoup de fois, la plupart de colère déroule dans la case. Et qui aujourd'hui, chacun d'entre eux, il est important pour Paul, premièrement, pour tout le monde qui est marié pour l'homme ou la femme, et qui vient à l'église. Il est important pour te remettre toute pensée ensemble. Comment se causer? Mon feel in this church. Et là, des fois, il y a un qui pendant des années, pas de mettre la tête ensemble pour cause de un projet. Un foyer pas capable de fonctionner comme ça. Vous tranquille, aussi. Un foyer bizarre fonctionne dès la tête. Amen. Tous les deux mettent la tête ensemble. Maintenant, frère, mon vin lola, mon labo lola, nous terminons sur cela. Frère, mais mon monsieur et mon madame, pas converti, qui m'a fait bizarre faire? Premièrement, c'est toi qui es l'exemple dans tout qui chose. Si tu peux détourner toi du chemin de l'orge, bye bye, ton foyer est fini. Mais ton regard, vous ne connaissez pas qui ce message est adressé. Moi, je dis, c'est un père bafoule. Moi, je dis, dire. Et un difficile qui me connecte, moi, je dis, dire. Tant que tu mets ton regard sur l'orge, automatiquement, le temps dit la pourrie. Amen. J'ai dit, prêt. Mon père, bizarre, rentre dans sa loge là. Son regard, tu dis, mon bizarre. Arrive à un certain moment, la moitié la fin. Premier, mets ton regard sur l'ange. Deuxième, convaler ton bon Dieu avant tout qui chose. Amen. Si tu convaler ton bon Dieu, il y a qui chose parle, mais je prends l'exemple. Je prends l'exemple d'un homme de Dieu qui m'a appelé Smith Wigglesworth. Dans ce parcours de sa vie, Dans ce parcours de sa vie, il y a quelqu'un qui ressuscite plusieurs dix mounes d'entre les morts. Quand il rentre dans l'enterrement, dix mounes sauvés. Je connais pourquoi. Si vous m'avez dit, moi, je n'ai pas fait un visiteur, il m'a dit, à toujours. Il rentre, il trappe 10 mounes depuis dans ce siècle, il s'accouille, il pile le miracle. 10 mounes a tombé, il rétrape, il dit, morcez au nom de Jésus-Christ, retombé. Troisième coup, il trappe 10 mounes, il pile le miracle. Boubla, il morcez. Je connais qui il était. C'était un des plus grands persécuteurs de son madame. Son madame qui convertit près. Son ministère commence dans les années 69 ans, pour là 69 ans, 68 ans, 69 ans. Je connais qu'il y fait quand son madame saute l'église. À cause de ça, je vous dis, madame a réplaigné, je dis, ça avec un point d'interrogation. Arrêtez! Tout ça fait des plaintes, mais c'est là comme ça, mais c'est là comme ça, mais c'est là comme ça. Attends! Zamé ni poussant, Zébé, ou même vous pouvez dire ça. Cette femme saute réunion, vini sur madame. Comment elle rentre dans la case, ouvre la porte, Michel a fini ferme la porte. Smith Wigglesworth. Fini ferme la porte, mais cadena fini fermé. Madame la reste que ça la porte là. For the sake of the kingdom. So regarde-t-il là-bas. Si tu détournes ton regard, tu fais le dit. So regarde-t-il le royaume, mon content, mon Dieu. Madame la reste la nuit de haut. Quand madame reste la nuit dehors, grand matin, M. Smith ouvre la porte, madame là, mon frère, pour régler le problème dans le foyer, ce n'est pas avec la bouche, c'est avec l'amour. Pas avec un meeting, là, vous voyez. Amen. Madame là, comment ouvre la porte, il ouvre la porte. Madame me paraît dire, Smith, how are you? You're fine? Come, I will make your tea. Ce qui m'a fait comprendre, moi, tu es bien, Smith, tu es correct.
Comment ouvrir la porte, prendre mes affaires, bosser beaucoup, tu as un joli flair, tu peux sortir là. Qui a existé, même Saint-Valentin, si nous pas faire Saint-Valentin, mon petit. La plus belle fleur qui a sorti, waouh, tu mets-moi dehors, moi, moi, madame, mon soin, t'as mon te manger, mon nan, il est. Comment lui ouvrir la porte, il dit, Smith, tu es bien, tu es correct, moi, fais te dire, Michel, je ne pas croire en l'ingé ça. Li gete Zodi, il est considéré comme un général de la foi. On appelle ça general of faith. Amen. Parce que persévérance de ce malin, il est important pour persévérer. Mais de ce regard, bon, il vice versa. Si il est amiché ce malin, papa vient l'église, toi aussi pareil. Tu n'as pas qu'à rentrer dans la carte et dire moi qui marie dans la carte, qui m'a mangé. Mais comment tu peux expecter demain de pouvoir mettre une madame vers le Seigneur? Parce qu'il compte nous-mêmes nous prendre l'exemple. Je te dis l'amour. Regarde qui la Bible dit l'amour triomphe, le tout qui se passe. Amen. Amen. Premier, c'était du sensible, le petit camarade. Deuxième, persévérant. Malgré les circonstances, les situations persévérées, manzoli, manzoli. La petite dit manzoli, je dis manzoli. Et tu vas manzoli. Il y a des petites choses qui arrivent dans une situation difficile. Soit problème là, manzoli, ou ça ou manzoli. Amen. Ma petite sœur, ma petite sœur, ça, dans le contexte de travail. Soit nous êtes toi, soit nous êtes nous. Mais nous venons pour manzoli. Amen. Et qui personne n'a pas été aujourd'hui. Quel est le problème plus grand que Dieu? Amen. Dieu est au-dessus de toutes les circonstances, de situations. Amen. Dieu est capable. Moi, Jésus a fait Dieu dire que la fraction seconde, que la, moi, dire la chose est arrivée. Dieu dit dans ce parole. Je ne pas croire dans les cieux, Dieu dit moi, sans toutes les circonstances. Plutôt, Amen. Mais qui vous fait ça? La Bible vient dire qui vous fait ça? Dieu prend plaisir à celui qui est dans la foi. Amen. Dieu dit que moi, je prends plaisir à celui qui est dans, ce qui est dans la foi. Mon âme prend plaisir. Dieu dit. Amen. Amen. Et la troisième chose, c'est mon bonheur. Beaucoup de monde dit, je termine sur cela. Mon affaire est erreur, mon moyen que ça dit. Quand on dit, mon affaire est erreur, mon moyen que ça dit, il y a une première question qui déclenche dans la tête. Je suis séparé. Je suis divorcé, je suis remarié. Et on finit par la porte pour poser un message. Amen. Beaucoup de monde mettent ça dans la tête. Je pense comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire certaines affaires. Dieu est dans le pouvoir pour sens toutes circonstances si tu es dans la foi et tu marches avec Dieu. Et ça, quelqu'un qui est avec toi là, je cause avec des gens qui. Zot Michel sans zot madame papa vient de l'église. Ça qui ken qui est à côté de toi là, c'est un qui ken qui Dieu mettait ou l'est au palais. On fait un mauvais erreur, on fait faute, on fait un erreur quelque chose. Au bizarre God lui là, c'est pas une raison pour tite lui pour aller. Amen. Et m'aurait dit avec beaucoup de sagesse de trapper une petite touche un bout que nous conne ça qui ken c'est un qui ken dans cette salle une divorcée ou quelque part. Nous conne ça qui ken zot cas nous peut dire que ça ken zot cas individuellement. Mais c'est moi qui peux remettre une base pour que l'œuvre de Dieu soit capable de fonctionner et qu'il nous capable de croire qu'il dorénavant, ça a fait qu'après le divorce, ça ne faut pas rien. Si un quelqu'un est divorcé, nous connaissons ça, quelqu'un dans cette église, nous peut dire l'exemple cas spécifique, ça ne s'adresse directement à un autre. Mais c'est moi, il n'arrive rien pour mettre un autre dans toutes les choses qui désordent. Amen. Amen. Nous comprenons, il n'arrive rien, il n'a rien à faire dans le passé, moi je peux dire, moi je peux causer que ça m'a dit mon nom. Mais nous pouvons remettre une base, nous avons besoin de bâtir ma ancienne ruine. Nous pouvons remettre une base pour nous capables de l'avant. Je ne peux pas comprendre, mais qui à partir d'aujourd'hui, Dieu n'est pas content sans affaire qui appelle le divorce. Il écrit dans le livre de Malachie. Mon haïr, la réprimande, mon haïr, le divorce. Mais qui chacun d'entre nous, il est important pour nous rester collé. Je te reste collé et que je te porte nez. S'il n'est pas contre le Seigneur, la Bible dit à toi comme cela, qui. Toi, tu peux sanctifier et te promener vers Dieu. Amen. La Bible dit que toi et toute famille pour être sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, toi et toute famille pour être sauvé. Maintenant, ce qui vous demande, autres, chacun d'entre vous, remettez un autre. Pardonne-moi, just download it from heaven.
faudrait pas nous vivre dans concubinage. Nous pas qu'à vivre avec quelqu'un sans le mariage, qui est contraire à la parole. Nous besoin prendre un autre, mettre un autre dans tout ça qui tu osa. Bon, puis on vit pas dans une affaire avec Dieu. Concubinage par ville de Dieu. Mettez l'autre. C'est là qui vient de la vie, mettez un tiers. Deuxième petite chose, pas mettre séparation ou divorce dans la vie, c'est ça. Dieu a un plan. Troisième, tout ma couple dans l'église commence à fonctionner comme un haine. Ou pas capable, un couple qui séparé, pas exister ça. Ou bien un seul, qui tous les membres de la famille sont un seul. Commence à porter un seul, vivre un seul, prier ensemble. Dis-vous en fait tout qui chose selon la volonté de Dieu. Persévérer, nous tout dire persévérer. Nous bisons persévérer. Qui que ce soit qui est arrivé, bisons persévérer par de la mort. Amen. 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 Et aujourd'hui, moi quitte ça dans ce cliquet. Pas de fin d'écrire dans la Bible qui nous prenons un habit tapis rouge. Prenons un parcours. Prenons une circonstance. Prenons un moment difficile. Mais seulement aujourd'hui, tu as besoin de faux dans toutes les choses qui te fait faire. Amen. 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 Mon courage, toutes les personnes qui sont messieurs, sont madame, pas comme le Seigneur. Mon courage, coster avec le Seigneur, continuellement prier. Et mon Dieu, c'est une dernière affaire, c'est l'amour qui pourra mettre cette personne vers Dieu. Amen. 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 Qui personne ne prend bonhomme là, mettre dos la tête. Tu sais qu'il est pour dire à maman pour faire. Pas l'église, oui, maman pour aller gâter. Pas écoute pasteur, oui, gâter, maman pour écouter pasteur. Ça prend madame la ceci pour entendre. Ah, gâte, parole, on va personne ceci. Eh ben, tu restes là même, tu peux manger, n'a pas l'église. Oui, gâter. Ok? Te mets pas en touffe, te reste dans la cale. Oui, gâté. Brille ça la Bible là, mon pas les trouver. Oui, chérie. Mon pas l'état de mission dans mon la case. Mon mettre la stop place coco. Non! T'es bout. Mon pas dit à faire rébellion. T'es bout. Quand il vous trouve ça la vérité là dans vous, il vous sentez. Amen. Amen. Et je termine. Qui c'est, frère, mon dégoûté, mon fatigué, qui c'est te zis le dernier bout de tournant de ta victoire? Ouais. Qui connaît te l'orgueil, c'est là, là, te michel là, là. Donc, quoi, si, mais, zis, piatan, moi, de mon tacat, tu venais me plaire, toi, prends ton paquet, les béanés. T'as l'air, je vous dis, où te connais? Amène-moi, tu vis l'église, toi. Amen. Reste tranquille, garde dans le calme. C'est avec beaucoup, 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 beaucoup de cette patience. Amen. Amen. Et je dis, ma sœur, mon frère qui me décourage, qui connaît demain cette personne-là, l'imminent qui est faux pour le royaume? Amen. Et je connais qui dit pour dire, première petite chose qui est en tout, je ne pas connaître, moi, je ne sais pas, l'ingé de l'occasion, présente parole, je ne sais pas quoi. Moi, là, je dis, saisis ça comme madame, sur la prière. Moi, là, je dis, saisis ça comme mon Michel supporte moi. Amen. Mais je ne pas connaître comme ça capable d'aller. Mais qui aujourd'hui prend l'exemple de notre cher ami d'Escargo, pourquoi les coupables ne coupent pas? Qui dit fin faire? Insensible, il persévère et il prend compte ce partenaire. Amen. Je termine sur ce mot, tout qui qu'un, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, mon monde inscrit là-haut, je calme, comprends qu'il m'oublie Jésus. Sa madame, soit Michel qui met le coteau là, finalement, pour un but, prends-le compte. Amen. Beaucoup, monsieur, néglige votre madame. Beaucoup, madame, néglige votre monsieur. Prends-le compte. Comme quoi, je ne vais pas mettre un mot là. Je vais dire non, quoi. Je vais dire d'une autre façon. Ça a beau l'homme. Et que ça a beau le femme. Qui vient de notre côté là. C'est un cadeau qui te pour bizarre qu'on amène vers mon Dieu. Amen. Mon Dieu dit en anglais, dans n'importe qui façon, by hook ou by crook, dans n'importe qui façon, te pour bizarre capable d'amener vers Dieu, mais c'est toi qui pour responsable. Et tout le matin, il y a une petite chose qui te pour bizarre faire.
mets tes genoux en bas. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tout ma couple qui mariait bonhomme, bonne bol femme, je bisais vivre bien. Et qui la case, faudrait pas être dans les dents. Mon redire, c'est qu'il pense qu'on prend un dialogue là. Et il y a beaucoup de bonhommes, bonnes femmes, par où rentrer dans la case parce qu'il y a les dents qui brûlent dans la case. Je te lis sur le sofa, comment on va s'y aller, il comment on va dans la cuisine, peine à la paix. Et la case d'un chrétien pas capable, me dire avec un pas capable, peinant le droit d'être comme ça. Si vous êtes dans le Saint-Esprit avec vous, il vous donne la sagesse et l'amour pour capable de gêner et qu'on vironne ça la casa, et je vous dis, je suis capable. Tout chrétien, je suis capable. Tout le monde, bonhomme, bonne femme, je suis capable. Amen. Pas oublier que ça sensible, ça, concerne un foyer. Si vous avez besoin, tchouk-tchouk, tchouk-tchouk. Au nom de Jésus-Christ. Nous permettre de vous. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce ben camarade qui trahit lui, ben a fin arrêté lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battu lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, du monde qui peut battre lui, maltraite lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas de rigole en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça ordonne ce banange de s'écouler. Mais Jésus n'est pas si intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui, et un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière-là avec moi, fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comment je suis. Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens de la terre. Te donne la vie pour moi dans la croix. M'accepte-toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître et mon enfant bon Dieu. Me dis ta merci Jésus, te compte en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout de l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens-en avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que ben est capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.